Toi, Greg, est-ce que tu en as un qui t'a marqué? Bah moi j'ai dit le Stade Rennais parce qu'on les connaît, ces équipes-là, Maccabi Haïfa, c'est comme et David peut en témoigner, c'est comme l'adversaire du PSG il y a moins d'un an. Ils vous avaient quand même sacrément Vas-y. embêté bon, en Israël. Et le Stade Rennais, alors certes, ils ont été bien lancés sur un but de Blas à la, je crois, 50e seconde, incroyable. 50e seconde, ouais, c'est ça. Mais franchement, ils ont fait un super match. Ils gagnent 3-0, il n'y a rien à Ah, dire. très, très, très facile, Moi, ouais. sincèrement, je me disais sur les matchs-là, je me disais, bon, l'Ajax ne met plus un pied devant l'autre, donc Marseille peut pourquoi pas faire quelque chose, mais bon, vu la situation, ça va être compliqué. Je me disais, bon, Toulouse, y a pas. Je pense que Toulouse peut aller chercher quelque chose. Et Rennes, je me suis dit, méfiance, parce que Rennes, en plus, ces matchs-là, ils les perdent souvent. Voilà, ils dominent tout ça. Et puis là, ils ont fait un super match. Et puis, ils peuvent en mettre d'autres. Truffert met un but exceptionnel aussi. Voilà, donc bravo au Stade Rennais, qui malheureusement, pour eux, a fait un 0-0 hier aussi à Montpellier. Cinquième match nul déjà depuis le début de la saison pour le Stade Rennes, Rennais. Mais en tout cas, bravo à eux, parce qu'ils ont fait un super match contre le Maccabi Haïfa.